la marche de toute économie, en fait, les spécialistes font des projections. Les projections se font sur une année. Et on peut dire que la croissance économique sera de 7,5% en 2019, avec les évolutions sectorielles, agriculture, industrie, services. Maintenant, quand on a dit ça, il faut qu'au mois le mois, on suit comment évolue la conjoncture. C'est-à-dire un premier mois, comment va la conjoncture, un trimestre, comment ça se comporte, comment les secteurs se comportent, comment l'économie se comporte et tout ça. C'est tout ça qu'on appelle la conjoncture économique. Et le suivi de cette activité requiert que vous ayez des collectes d'informations avec des points focaux et que vous ayez des outils d'analyse. Et la formation qui a lieu est de renforcer la capacité de nos agents en technique d'analyse de la conjoncture. Donc c'est un instrument qui leur permettra de mieux cerner les choses, d'affiner ce que nous faisons déjà si bien et donc de pouvoir présenter des notes de conjoncture caractéristiques aux autorités. Lors de cette année, il s'agira essentiellement de revenir sur ce que nous faisons. Comme je vous ai dit, il y a une collecte d'informations qui est encadrée dans une note. Cette note sera examinée. Et il y a d'autres techniques d'analyse qui vont être présentées à nos collaborateurs et à la lumière de ces nouvelles techniques-là, quelles seront les améliorations possibles à y apporter. C'est un séminaire de 5 jours. Ils auront vraiment à balayer tous les indicateurs, le suivi de l'activité et tout. Donc c'est un contenu assez dense. Je pense que ceux qui y seront verront que c'est du travail concret qui va se faire. Les résultats attendus, c'est que nous ayons une meilleure présentation de la note de conjoncture et du flux de conjoncture et que nous ayons une meilleure lecture des faits économiques à la lumière des nouvelles techniques.